Ouais, c'est bon, ça filme là. Ah bah impeccable. On refait le plein de l'eau. C'est pas la peine qu'elle parle parce qu'on va pas l'entendre, il n'y a pas le micro. Et en plus, il n'y a pas le grand angle. Voilà, la petite pause. Bonjour les chéris, j'espère que vous allez tous super bien, que vous passez une belle journée, que vous avez le sourire. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de belles choses. En tout cas, aujourd'hui, tu as vu qu'on a dû faire le plein avec les arrosoirs. Voilà, il y avait de l'eau gratuite pour les camping-cars, les vannes. Et il fallait servir avec l'arrosoir parce qu'il n'y avait pas possibilité d'adaptateur. Et ça m'amène à un sujet qui me fait sourire parce que Domino a dû voir un vétérinaire pour son rappel de vaccin. Et Domino a 15 ans. Et oui, ça commence à être un vieux personnage. Et la vétérinaire, elle était agréablement surprise parce qu'elle a dit à Chrissa que comme Domino vivait en camping-car, donc il ne voyait pas toujours le même paysage, il ne faisait pas toujours la même promenade, les mêmes endroits, donc ça mettait tous ses sens en éveil, son flair, etc. Alors du coup, ça me fait sourire parce que je me dis, mais pour nous les humains, c'est exactement la même chose, quoi. Parce que tous les jours, ben oui, on sait pas. Comme je dis toujours, hein, bon, la vie en van, la vie en camping-car, c'est pas non plus. Attends, voilà, j'ai fermé la vitre. C'est pas non plus l'aventure Indiana Jones, hein, Lara Croft ou autre. Hein. Mais, à notre façon, on vit une aventure quotidienne. Et donc, par exemple, là, ben oui, remplir le réservoir. Avec les arrosoirs, et ben ça musque et puis ça nous permet de prendre du temps. L'autre fois on était en panne d'eau et moi en plus en panne de gaz et j'avais pas envie de taper sur la bouteille de Chrissa en permanence parce que on savait qu'il lui en restait pas beaucoup. Donc ben, pareil, il a fallu négocier. Donc si tu veux, c'est une activité permanente du neurone. Et des biscottos, quoi. Et puis la débrouille. Parce qu'il y a toujours quelque chose pour l'eau, pour le gaz, pour se réapprovisionner. Bon, on avait fait le choix aussi hein, de s'isoler pendant quelques jours. Hein. On n'était pas du tout à plaindre, hein. C'était notre choix. Mais bon, voilà, quoi. Chrissa a voulu se laver dans la rivière. Bon, moi, ça me tentait pas trop parce que bon je préférais me laver dans ma douche avec un seau. Voilà, j'ai fait ma vaisselle aussi dans l'eau de l'arrosoir que j'avais laissé à chauffer au soleil, donc en plus j'avais de l'eau chaude. Mon eau était bien chaude aussi parce que pareil j'ai laissé au soleil. Tu vois, ça paraît anodin. Mais ceux qui le vivent là aujourd'hui, vous devez tout à fait comprendre ce que je veux dire et je trouve que ça fait vraiment un bien fou. Alors quand on lit des trucs hyper compliqués, hyper sophistiqués, comment maintenir voilà, la jeunesse d'esprit, son physique, blablabla, eh bien écoutez, vivez sur la route. Et vous comprendrez ce que ça veut dire, parce que même la conduite te demande de l'attention, tu dois quand même être concentré, donc ça te fait du bien au niveau des neurones, ça ne te rendra pas plus intelligente seulement, ça entretient ton neurone, ça entretient ton cerveau, ça te fait du bien. Après physiquement, c'est pareil, tu ne vas pas faire non plus un triathlon, mais ça ne fait rien, ça fait du bien. Moi, je le sens vraiment.
en moi, dans mon corps, bon, au-delà du moral, hein, mais du coup, là, tous les matins, tu le sais, hein, je marche. Alors là, c'est un petit peu plus difficile de partir seule marcher parce que Cassie, dès qu'elle me voit enfiler mes chaussures, elle veut absolument venir marcher avec moi. Et ça, ça m'embête parce que ça ne me permet pas de marcher comme maintenant j'y arrive. Donc, j'essaie de négocier. En premier lieu, je pars et je vais marcher le matin, bonne heure. Alors, j'ai des tennis, mais là, maintenant, je me sens prête et j'ai l'envie d'investir dans des chaussures de randonnée. Ça fait quand même quelques années déjà que j'ai pas eu de chaussures de randonnée parce que j'avais plus la forme physique. Et là, vu les endroits où nous allons, je sais que de toute façon, il y aura toujours des endroits pour la randonnée, des endroits pour la marche. Donc du coup, je vais m'y remettre. J'ai vraiment très 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 envie. De plus, là, je suis contente parce que j'avais amené mes chaussures de baignade. Tu sais, ce sont des chaussures pour aller dans l'eau, quand il y a des cailloux, etc. Et tu peux quand même nager très très facilement avec. Ça, c'est aussi le truc. Je suis très très contente d'avoir pris ça. Donc, si tu vas te baigner dans des lacs, dans des rivières, etc., vraiment, je te conseille de les prendre, ces chaussures. Elles sont très souples, elles sont très très agréables. C'est léger, hein, que tu sois en van ou en camping-car. C'est léger et ça fait un bien fou aussi de se baigner. Si tu ne sais pas nager, ben, c'est pas grave, ne serait-ce que marcher dans l'eau. Mais c'est, voilà, waouh, waouh, ça fait super du bien. Tu vois, donc comme activité pour se maintenir jeune ou pour faire une cure de jouvence, ben voilà quoi, on n'a pas besoin de s'inscrire dans des clubs, des machins, décidez là. Si, le club de la vie sur la route, en van ou en camping-car. Enfin voilà, ça c'était ma réflexion et je te dirais que j'ai démarré l'aventure. J'avais vraiment de grosses, grosses douleurs suite à une mauvaise chute que j'avais fait l'année dernière. Et cet hiver encore, j'étais très, très handicapée. D'ailleurs, je ne pouvais plus monter à l'étage dans ma chambre. Je dormais sur le canapé. J'ai fait de la kiné, ça m'a motivée. Mais quand en mai, j'ai commencé la vie en camping-car, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à me mettre à genoux sur mon lit pour ranger mes affaires au-dessus. J'avais beaucoup de difficultés à monter et surtout à descendre du camping-car. Pareil pour les escaliers à droite et à gauche. Les épaules cervicales très, très, très douloureuses, que bon, j'ai eu des déplacements, etc. Et là, maintenant, je n'ai plus rien. Donc, je signe pour perdurer la vie en camping-car parce que vraiment c'est trop trop bon pour la jeunesse de l'esprit et du corps. Allez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la balade vous a plu. Moi, je continue en direction donc de Salzbourg, seulement en direction. On a fait une première étape, toutes les deux on avait besoin d'eau. Là, on va faire une étape à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. On va faire des courses demain parce qu'on veut quelques bricoles d'abord avant de passer la frontière au Bila du coin. Entre autres la litière. Ah ouais, par contre la litière parfumée, la toute basique en Autriche, elle est excellente pour les toilettes sèches. Mais vraiment très 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 bien. Et puis il y a quelques petits produits aussi qu'on veut s'acheter. Je ne sais plus ce qu'elle veut, Christine. Bon, elle, par contre, elle mange plus de charcuterie que moi. Donc, elle veut s'acheter de la charcuterie avant, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, en résumé, la journée. Là, nous sommes un dimanche. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. C'est super agréable. La route est très agréable. Le fait qu'il n'y ait pas de monde, c'est encore plus agréable. Et puis, toujours des paysages magnifiques. Vraiment magnifique, magnifique. Je vais peut-être pas m'arrêter, faire une pause pour manger.
J'ai pas faim du tout. Je vais peut-être m'arrêter pour boire un coup avec Cassie. Ou peut-être que je vais continuer, je sais pas. Mais en tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Et j'espère que toi aussi, tu prends soin de toi, que tu fais plein de choses pour toi. Pense à l'eau. Bon, moi, je suis une folle d'eau, hein. Rivière, lac et tout. Mais pense à l'eau, ça fait super, super du bien. Je te fais plein, plein, plein de gros poutous. À très vite. Ciao, ciao.